Bonjour. Bonjour. Notre invitée aujourd'hui est Brigitte Auriol. Brigitte Auriol, vous êtes psychothérapeute, vous travaillez à Bagnols-sur-Cèze. Vous êtes déjà venue dans l'émission nous parler de la violence en éducation. Et aujourd'hui, vous allez nous parler de l'émotion. Qu'est-ce qu'une émotion? Ça nous paraît évident et pourtant il faut réfléchir à ce sujet. Oui, une émotion, c'est une émotion au sens propre du terme, c'est un mouvement qui doit s'exprimer par l'extérieur. C'est une émotion. Alors évidemment, une émotion est souvent déclenchée, et toujours même déclenchée par un besoin. Quand je suis bébé, j'ai besoin de manger, je vais pleurer, parce que je n'ai pas le langage, je vais donc utiliser le seul langage que j'ai, le pleur, pour manifester mon besoin de la faim et pour pouvoir me rassasier. Et là, l'émotion, elle est où? L'émotion, elle est dans le besoin, c'est parce que j'ai envie de manger, que je suis émue. Dès que pour un bébé qui a faim, s'il en est au point de pleurer, c'est qu'il est déjà dans une situation où il va réclamer vraiment son besoin de manger. Et s'il ne se présente pas assez rapidement, alors là, l'enfant peut craindre de ne pas avoir ma à manger. Il peut rentrer dans Donc la il a peur. peur, Il voilà, d'accord. peut aussi découler sur la rage, parce que si maman n'arrive pas, je vais m'enrager de ne pas avoir mon dû aussi rapidement que je souhaiterais l'avoir. Et si maman insiste encore en ne venant pas tout de suite, vous savez, il y a beaucoup de parents qui disent, non, mais attends, c'est pas l'heure encore, il doit patienter. Et je vais laisser pleurer le bébé pour cela. Et c'est terrible de faire ça à un bébé, parce qu'il rentre ensuite dans un processus émotionnel de terreur. Parce qu'il devient là la proie de tous les dangers. Le seul besoin d'un enfant, c'est la proximité du parent. Et s'il l'a, il ne l'a pas, il se sent la proie de tous les dangers. Alors le mot émotion, je pense quand on l'entend comme ça, on s'imagine que ça va être juste le travail, ce qui se passe à l'intérieur de vous, quand vous êtes joyeux, triste ou que vous avez peur. Et là, vous nous avez tout de suite dit qu'il s'agissait d'un mouvement. Ça veut dire que ce que nous ressentons à l'intérieur de nous va se manifester à l'extérieur. Alors, il doit se manifester à l'extérieur. C'est-à-dire, quand un enfant est frustré, il va à ce moment-là montrer sa frustration par une émotion. En général, c'est la colère. Hein, D'accord. je prends l'exemple d'un petit enfant à qui on ne veut pas acheter quelque chose, par exemple. Il va se sentir frustré et dans cette frustration, il y a la colère qui va arriver parce que son besoin d'avoir ce jouet n'est pas satisfait. D'accord. D'accord? Donc là, son émotion, ce sera la colère et nous allons tout de suite comprendre qu'il est en colère. Voilà. Le problème de la majorité des parents, c'est qu'ils ignorent ce qu'est une émotion. Et on interprète ça comme quelque chose de très dangereux, quelque chose que l'on doit faire taire immédiatement. Et là est le danger pour l'enfant. Alors, j'essaye de bien comprendre ce que vous nous dites, c'est-à-dire que peut-être quand on va reprendre l'exemple de l'enfant à qui on va refuser un objet, d'acheter un objet qui va se mettre en colère, nous, on va voir que sa colère, qui est violence et qui est dangereuse pour nous, on ne va pas se demander d'où vient la colère. Alors, d'une C'est part, il y a ça? ça. D'autre part, vous disiez à l'instant, on va voir la colère, donc sa violence. La colère, ce n'est pas de la violence. Alors, un enfant qui exprime une colère, bien sûr, ça peut être totalement défait. Et il peut donner des coups de pied, il peut crier, il peut hurler, il peut même dire, je te déteste, maman, je ne t'aime pas. C'est possible, tout est possible. Ce n'est qu'un enfant, son cerveau n'étant pas totalement structuré, ça peut être totalement disproportionné. Mais ça, le parent ne l'accepte pas. Il va vouloir le faire taire. Mais comme une émotion, c'est physiologique, c'est un mouvement qui doit s'exprimer. Le fait de vouloir le faire taire ou de le condamner, c'est là le problème. Parce que vous savez, de blesser un enfant, c'est pas ça qui est si grave. Parce que c'est impossible de ne pas blesser un enfant dans sa vie d'enfant. Ce n'est pas possible. Ne serait-ce que de faire un deuxième enfant, ça peut blesser. De lui faire un petit frère, une petite sœur, ça peut le blesser. C'est donc impossible de ne pas blesser un enfant.
Le plus grave, ce n'est pas la blessure en elle-même, c'est que l'enfant ne puisse pas exprimer, ne puisse pas se défendre de cette blessure. Et là, c'est le piège de tous les parents, parce qu'ils veulent faire taire justement l'enfant à ce moment-là. Et le fait de le faire taire, il va devoir refouler. Il n'a pas d'autre choix que de refouler ses émotions. Et c'est ce refoulement qui va se gangréner pour plus tard se venger sur des plus faibles ou avoir des troubles de l'alimentation, des troubles du comportement, tomber dans la toxicomanie, dans l'alcool. C'est l'accumulation des refoulements de ses émotions qui va faire que plus tard, il va souffrir de ce refoulement. Et réagir de manière, comme vous le dites quelquefois, disproportionnée. C'est ça. Alors, je reprends ce que vous nous avez dit tout à l'heure. C'est inévitable qu'on blesse nos enfants. Oui. Parce que la vie, l'éducation qu'on est obligé de leur donner va les blesser. Vous avez dit même quelquefois une autre naissance dans la famille. Il ne sera pas vécu comme une joie, mais sera une blessure. Et vous dites, c'est pas ça qui est grave, on peut pas faire autrement. Ce qu'il y a, c'est qu'il faut que l'enfant ne pourra pas exprimer cette souffrance. Mais est-ce qu'il n'y a pas aussi, du côté du parent, une prise de conscience à avoir? Oui, bien sûr, parce que les parents ignorent. Finalement, on se rend compte que les parents ignorent totalement que l'éducation qu'ils peuvent donner provoque ce genre de dommages. C'est pourquoi je suis là, entre autres, pour éveiller un peu ces consciences. Alors, je voudrais quand même reprendre sur une chose, parce que les auditeurs risquent de dire, alors, du coup, il faut les laisser faire. Oh non, je sais que ça peut partir là-dessus. Mais laisser exprimer une émotion, ça ne veut pas dire tout laisser faire, loin de là. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Mais si on écoute un enfant en colère qui manifeste son mécontentement, ça va durer 5-10 minutes, pas plus. Par contre, si on l'oblige de se taire en lui disant « J'en ai marre de tes caprices, je t'en ai déjà acheté un hier, on ne va pas recommencer aujourd'hui, tu deviens ceci, cela », à ce moment-là, l'enfant est obligé là de refouler ce qu'il ressent. Parce qu'à ce moment-là, c'est vrai qu'il veut ça et il va détester son parent de ne pas le lui donner. Plus il va refouler toutes ces émotions-là, et en plus de ça, ce qui va se passer, c'est que l'autorité du parent à ce moment-là, à vouloir le faire taire, l'enfant va le craindre, son parent. Et quand on commence à craindre son parent, alors là, on part en dérive. Parce qu'on est dans un contrôle permanent de la prochaine sanction, de la prochaine blessure, et de ne jamais pouvoir s'en défendre. Alors en fait, il faudrait essayer de comprendre l'origine des émotions de nos enfants, l'origine de leur colère ou l'origine, et puis les laisser s'exprimer, tout en sachant qu'on peut quand même leur dire dans ces moments-là, tu peux bien être en colère parce que je t'ai pas donné ce que tu veux, exactement, mais moi je te le donne pas quand même. Oui, bien sûr. Tu ne me feras pas changer d'avis. Est-ce qu'on peut être comme ça? Oui, il y a la façon de le dire, bien sûr. On peut juste le fait de comprendre sa colère, oui, c'est vrai. Je vois que tu aurais vraiment voulu se jouer. C'était vraiment important pour toi. Mais moi, je ne peux pas te l'acheter. Je ne vais pas l'acheter, bien sûr. Mais je ne vais pas rentrer encore dans un discours moraliste où, écoute, c'est comme ça, je ne vais pas te l'acheter. Parce que là, on n'est pas empathique. Il faut vraiment comprendre que l'enfant souffre de ne pas posséder. Vous savez, tous les enfants, quand ils voient un objet, pour eux, c'est déjà acquis. C'est la continuité de ce qu'ils sont, l'objet. Le petit camion rouge dans la vitrine, ça y est, il se voit jouer avec. Il est là, il est déjà à lui. Donc, comprendre ça. Et si on comprend qu'une émotion, c'est très important, c'est vital. Quand ce mouvement émotionnel peut se faire, alors notre corps n'est pas embrumé, n'est pas, comment dirais-je, il n'est pas enfermé dans tout ce que l'on doit refouler. On est libre, on peut être libre ensuite pour l'apprentissage scolaire, on met toutes nos capacités ensuite au service de la vie et pas au service du contrôle de nos émotions. Oui, parce qu'il faut comprendre alors qu'une émotion, c'est quelque chose qui s'exprime presque physiquement par notre corps. C'est physiologique. C'est donc physiologique. C'est, vous savez, l'expression d'une émotion, c'est aussi l'expression de notre santé.
Plus on refoule les émotions, plus on a de risques d'être malade plus tard. Donc, écoutons les émotions de nos enfants. Oui. Reconnaissons leur légitimité. Oui, si c'est ça. Il faut vraiment qu'on se dise qu'une émotion, ce n'est pas dangereux. Voilà. Que de la laisser s'exprimer, ça ne va pas faire de lui un futur délinquant, mais au contraire, ce qui fabrique des délinquants, c'est justement ce refoulement-là. Donc nous, on regarde nos enfants, on essaye de comprendre leurs émotions, ça ne nous fait pas forcément changer d'avis, on reste le parent qui dit ce qu'on doit faire, mais on a écouté quelque chose et on a évité bien des blessures à l'enfant. Oui, c'est important que les parents soient informés de ça. Et bien, je vous remercie de l'avoir fait pour nous, Brigitte Auriol, au revoir, à bientôt. Revoir.